Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le petit tournoi, évidemment, du lundi, la reprise de la semaine. Je sais pas si je vais avoir l'occasion de faire tous les événements de cette semaine, mais bon, bref, peu importe. On y go, c'est parti. À tout de suite. Ok, on est contre Idan, qui bizarrement ne joue pas Idan, mais bref. Oh mince! Oh, il y en a auto, et je lance un ulti, et ben c'est quand même dommage, il gagne, oh, il a dépercé. Attendez, j'ai encore un PC, je sens, parce que... C'est important, le son, attention. Ok, donc, une résistance contre un tour. Est-ce qu'on se tenterait pas une petite folie, là, un petit ulti, Zabouza, histoire de... Oh, il y a un Kekpsu aussi qui sera là pour nous embêter. Il a combien de combativité? Ah oui, d'accord. Ok. Nous sommes remplis d'audace. Et on va lancer le petit Zabouze. Ok. Et en plus, j'ai pas fait gaffe, mais contre Karine, c'est vraiment... En termes de composition, si jamais on est ulti, il a plein de bonus, quoi. Très bien. Les Zabuza donnent tout. Déjà, il n'y a plus de Karine pour le moment. Allez, petit main. Oh. C'est ton moment, donc. Tour 2, on envoie le Gagenso pour essayer de l'interrompre ou quoi. Ensuite, on va attendre et temporiser quelque peu pour voir la cible de son ulti Naruto. Pour l'instant, on n'est pas tout à fait pressé. Et en plus, il esquive les autos. Que fait-il? Je tente un timing du Schnapps pour lancer l'ulti Zabuza. Ok. Hop hop hop. Ah oui, du coup s'il esquive les autos au niveau des poursuites c'est compliqué, très bien. Eh bien c'est parfait. On y retourne. À tout de suite. Ok, Stoboyo donc. Je mettrais bien un petit coup de Zabuza là, avec une petite relique de défense. Histoire de. Et un Madara qui est là pour nous embêter fortement. D'accord. Ok. De toute façon, la cible, je pense, c'est Kakuzu, puisque si jamais on réussit à tomber quelqu'un et qu'il ressuscite par derrière, ben on va être un peu déçu. Le code. Oula! Ok, il vise des dégâts de commotion, là, je pense. En vrai, c'est peut-être un. C'était génial, ok, tranquille, tranquille. Tout va bien. Par rapport au point de vie, ouais, je pense que ton Naruto a une bonne relique. Il a un certain différentiel avec les autres membres de son équipe, quoique avec le main feu, c'est à peu près identique. Très bien, on va full heal. Ensuite, on va lancer un. Oh. Du coup, on va poursuivre sur le main feu. On va essayer de retirer les supports et ceux qui ne regagnent pas trop des points de vie. Je vais lancer un ulti Zabuza, tiens. Sim cut, au pire, c'est pas si grave. Je l'aurais forcé quelque part. De toute façon, contre un Madara. Ok. Heureusement qu'il a pas utilisé. Naruto, pardon. Qu'est-ce que c'est le mieux de viser entre son Naruto et son Madara? Je sais pas trop, je pense que peut-être que Naruto il a trop de capacités de régénération. Puis on va foncer sur Naruto. Après Naruto, il a plus de dégâts que Madara ou pas?
Peut-être. Avec ces 250 autos. Il y a peut-être quelque chose qui se passe. Allez, une seconde. Allez, une toute dernière auto. Nickel. Donc là, on peut lancer des ultis. Donc autant le faire. D'accord, ok, il joue pas le passif qui met les barrières au niveau des tours fermes, mais c'est par rapport à son pourcentage de points de vie. D'accord, okay, c'est intriguant. Je skip en termes de Zabuza. De toute façon, faut tenter là. Alors là, rien n'est joué, hein. Il y a toujours un Kakuzu, hein. Il suffit que Kakuzu récite les membres de son équipe. Et ça part de là, le Naoto qui fait des siennes, etc. Donc attention tout de même. Hein. Restons calmes. Il a une immunité du jutsu pur, mais dès que nos amis Suigetsu Zabuza vont commencer à faire des dégâts, normalement tout se passe bien. Ok, nickel, c'est parfait. On y retourne. À tout de suite. Azuka donc. Ok, bon, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais bon, on peut peut-être faire quelque chose. Ouais, on peut essayer de cibler le Kakuzu, voir un petit peu ce qui se passe, prendre la mention de résistance peut-être. Problème, c'est qu'il fait des dégâts, mais c'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand même, faut quand même le souligner que c'est quand même abusé. Ouais, si on essaie de remonter un petit peu en montant des points de vie. Il a la première attaque ou quoi? Allez, on va lancer l'ulti directos. Comme ça, on gagne un tour d'OCD. Oula, oula. Calmez-vous de grâce. Attends, il met des. La palourde, elle met l'aveuglement, non? Hein, que ce soit l'état de marquage. Oh oh. Oh oh oh. Ok, attention quand même. Oh, le Suigetsu, il est dans une position catastrophique là. Ah bah. Ok, on confirme un petit peu tout ça. Avec Kakuzu éventuellement mettre un aveuglement si c'est ouais, si Zabuza peut faire des choses est-ce qu'on peut pas faire des trucs avance Oula, les deux outils du. Oh là là, ok, le Kakuzu qui revient. Je crois qu'il peut pas trop m'interrompre. Donc, oh, ça vous a. Ah, bah, par contre, sur les autos, oh, il faut que ça touche Gegensu. Oula. Ok, merci pour l'esquive. Okay. Oh, même l'état de refoulement, ça fait des dégâts tout à fait considérables, c'est un peu une catastrophe. Allez, on y go. Est-ce que ça vous a pas remonté et tout? Oh, il est enflammé. Oh, c'est une catastrophe. Oh, le main haut. Le main haut en mode bonjour à tous. Allez, vas-y, donne tout. Ah, les soins étaient un petit peu compliqués. Oh, pop, 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 ok. Oula, oula, attention. Oh non, on perd Menpo. On perd Zabuzo. Ah là 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 là. Et ben, c'est fini. C'est terminado. Dommage. Ah, c'était pas évident, mais bon, j'ai repris lorsqu'il avait toute son équipe. Donc du coup il va pas trop dépenser de piles de résurrection. Qui on ressuscite? Le Naruto ou le Mana?
Qui sera notre équipe de la dernière chance? En vrai, allez, tiens, ce sera Madara. Madara. J'ai l'impression que j'ai quand même pas mal joué avec Naruto ces dernières années, donc on va dire que j'ai peut-être un peu plus envie de voir Madara. Tiens. Allez, on y retourne. À tout de suite. Ok, 50 nuances d'Asuka, le retour donc. Ouais, je vais essayer de paralyser un petit peu ce qu'il fait. Ouais, résistance, tiens. Il y a quand même de sacrés dégâts, c'est assez dur de. C'est assez dur de tenir le coup. Ouais. On peut envoyer sa souris. On a gagné le point de chakra, donc autant s'en servir. En vrai, un petit coup de full heal, peut-être. Histoire que le main revienne un petit peu de points de vie, peut-être. Je sais pas trop, ouais. Oh non, c'est pas vrai. Thomas qui arrive, bien sûr. L'aveuglement. Écoute, Konoseikai, Into, on peut peut-être lancer un ulti, puisqu'il a plus d'interruption, je crois. Enfin, me semble-t-il. Oh, ah bah si. Bah si. Confirmed. Confirmed. Bon, bah d'accord. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a aucun problème. Ah, il dit qu'on va citer Madara pour la dernière équipe. De toute façon. Hein. Commence à se faire tard, donc j'aurais pas le temps de tout faire avec Sion, je pense. Donc, oui, non, le main on le mettait là. Donc, que ce soit le Capuzu qui morfle un peu et qui puisse ressusciter de lui-même, bien sûr. Et on y coupe. À tout de suite, peut-être, quoique. Ah, bah non, le loot, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Très, très bien. Et on y va, on lance l'ulti. Toute façon, ça sert à rien d'essayer de cuter l'adversaire. Il va lancer des ultis, il va nous donner des autos et on sera vraiment très très bien. Donc tout va bien. De toute façon, le but c'est bien sûr, comme chaque double, c'est vraiment de perdre aucun ninja par une priorité. C'est la priorité. Et un petit peu de level haut, ça fait plaisir. Et il va en donner de son côté également. J'ai peut-être ciblé le Obito en vrai pour le prochain tour. Parce que si jamais il lance un ulti, c'est vraiment compliqué. Il va attraper notre Naruto, je pense. Je pense qu'il va utiliser l'ulti. De toute façon, lorsque vous utilisez un ulti, en général, vous êtes un petit peu un paratonnerre pour votre adversaire. Vous sentez un paratonnerre pour le mode automatique de l'adversaire. Donc là, il aurait ciblé Naruto, donc voilà. Nickel. Donne-nous une auto avec cette ulti. J'ai l'impression que je suis full vie, ça m'arrange. Une auto qui prend les coups. Donc qui prend pas la poursuite de diminution de résistance. Donc il y a relativement peu de dégâts de commotion, mais attention tout de même. À chaque aide écrite, on est potentiellement pas bien. J'aurais peut-être pu lancer l'ulti Obito pour faire le combo. J'ai pas du tout pensé à ça. Mais bon, on va faire ça maintenant. Non, finalement, pas besoin. Et très bien. On va pouvoir y retourner. À tout de suite.
Oulo! Oh! Ouh là là là. D'accord. Très bien. On peut lancer des ultis. Oui, c'est une possibilité. Allez, tiens, on va lancer un petit ulti comme ça. Ah, mais non, on n'aura pas l'ulti. Oh là là, on n'a pas d'ulti au prochain tour. Oh là là. Mais non, mais de toute façon, il va nous bloquer Méridien et puis on va être comme des andouilles de Gamney. Donc, mais du coup, comment je fais pour gagner? En fait, je peux pas, en fait, hein. C'est juste ça. C'est juste possible. Ah, ça tombe bien. Nichelus, Nichelus Maximus. Faudrait retirer Chichu, tiens. Sa première esquive. Oula! Est-ce qu'on va avoir le temps d'esquiver en direct, hein? Donc là, on est dans la situation où on n'a que le main haut. Et notre seul moyen de s'en sortir, c'est de tuer quelqu'un avec le Kakuzu. Le main haut tout seul n'est pas en capacité d'infliger le moindre dégât. On a les techniques de poursuite, mais bon, il faut infliger des coups, quoi. Faire un combo de 10, et on n'en a pas cette possibilité, donc on a juste perdu. Donc je replie juste histoire de me donner la possibilité d'avoir relativement assez de temps, même si bon. Ouais, c'est chaud. Et puis voilà. Ouais, au niveau des reliques, est-ce qu'on a le temps? Non, pas trop. Bon, allez, let's go. On y va. À tout de suite. Oshigeki Kokuri. Ok. Naruto. Kakashi, bon, on va rester, hein. On va rester calme vis-à-vis de l'utilisation de nos ultis. Restons calme, restons calme. Ok, pour l'instant, on tient bien les dégâts qu'il nous envoie. Ses seules capacités de son sont potentielles. Bon. La danse de la... Non, c'est la... Oh, je sais plus qu'on appelle de... Non, c'est pas la danse de l'estimation, c'est pour le main vent. Je ne sais plus. Sinon, son auto a du soin. Donc, normalement, la plupart des dégâts qu'on lui inflige, c'est pour le reste de la partie. Ok. Il plonge bien sur son main feu. Attention, tout de même. Ah! Son... À son auto, bien sûr, ok, il full focus notre Madara, plutôt pas mal, il a la meilleure relique pour nous, il a un peu de soin. Ok, pour l'instant on est dans une position avantageuse, mais attention tout de même. Ça serait pas mal qu'on puisse se débarrasser du Kakashi Hete au prochain tour. 32 000 points de vie. C'est pas énorme. Ok, il gagne assez peu là. On tient les dégâts, on tient les dégâts, c'est le mot d'ordre. On tient, on tient, on tient. Allez, on lance l'outil. Ok, nickel, 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 nickel. Okay, avec un peu de chance, il n'y a pas d'esquive relative aux poursuites. Ça nous mettrait très 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 bien. Ça me permettrait par exemple de faire des doubles autos. On n'a pas cette chance encore. Ok, on tient bien les coups, on tient bien, on tient bien. Double poison du Sasori, ça va nous être bien aussi. Ok, on va utiliser, enfin on va dépenser le skill du Naruto into, on envoie le plus grand outil du Kanto et normalement on est bien.
Ok, c'est game. Nickel. Parfait. Parfait, 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 parfait. Victoire. Allez, on y retourne. À tout de suite. Ok, on trouve tout de suite un adversaire à la légende qui se termine très bien. Ok. Allez, on est peut-être un petit peu audacieux. Est-ce qu'on y va full dégâts comme des sauvages? Allez, go. Go full dégâts. Ok, très bien. Je vais faire la première attention, c'est un auto, donc peut-être essayons d'éviter de lancer des ultis à toute berzingue comme ça. De toute façon, on peut lancer les ultis Madara, c'est lui qui nous apportera la victoire, donc il faut quand même les lancer, bien sûr. Donc allons-y. Ok, nickel. Ouais, on peut essayer de faire quelques dégâts de gratte avec l'ulti Itachi. Et ça passe. La couche là qui était en résistance. Donc bien pour résister. Lol. nickel. Écoutez, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, go, go, go. Tu peux envoyer. Oula. 12 minutes. Pense que globalement on n'a pas le temps on n'a pas le temps de niaiser, donc on va tout de suite partir avec la compo, la El Famoso compo. Non, je pense que se débarrasser du main c'est peut-être moins pire que le Jiraiya. En vrai, Jiraiya est quand même plutôt cool avec avec toutes ses poursuites. Allez, on y retourne. Et on trouve tout de suite un adversaire, la légende qui se termine. Malheureusement, on retrouve son chemin. Ouais. Pense qu'on est peut-être plus rapide si jamais on. Je vais conserver l'outil Itachi au cas où. Parfait. Parfait, 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 parfait. On y retourne. À tout de suite. Ok, on est contre un petit. Mais devant qu'il y a une Tsunade. D'accord. On envoie l'ulti chez Shui. On peut pas faire grand-chose contre l'immortalité de la Tsunade en vrai. Préparer l'ulti Shishui pour le prochain tour, peut-être que ça va le convaincre que finalement l'abandon est peut-être sa seule option. On tente, hein. On tente, on tente, on tente. Ça envoie un max au niveau des poursuites. Ok. Avec les bonnes bonnes autos, bien sûr. Ouais.
Alors peut-être que c'est un compte qui est justement destiné à essayer de gagner du temps. Je sais pas. Le reroll avec la Tsunade pour gagner du temps et puis ils ont un stand-là, ils essayent de lancer des combats. C'est une possibilité. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose. Ouais, lancer un multi, ça rajoute que du temps d'animation. Il reste que 8 minutes. Donc, compliqué. Nickel. Victoire. Ah, puis en plus, je peux pas décider à la dernière minute de prendre l'option. Avec, par exemple, je sais pas. Ah, Obito GG version démasquée. Oula! Ok. La composition pas tout jeune du tout. J'essaie de faire des techniques de poursuite, de combo ou quoi, etc. Mais on en avait peut-être pas besoin finalement. Voilà, ça combo de bien en vrai. Petit réparti en maximum des poursuites de Shisui d'Itachi, j'aime beaucoup. Mais écoutez, à tout de suite. Hiraedo. Ok. Il y a un Naruto, bon. Peut-être pas trop le coup de lancer des choses. Okay. De toute façon, on est en train de scale avec toutes les poursuites qu'on fait. Ça va être un combat qu'on va gagner au tour 2, je pense. Ah oui, d'accord, notre P3 agit à jour, ça plaît. Oula, 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 oula. Ok. Nous sommes si de vitesse, c'est magnifique. Ok. Allez, c'est parti. En avant pour l'aventure. Ok, Joe l'esquive. Et ensuite, là, je crois que c'est que du bonheur. Je pense que Jiraiya fera quelques combos. On pourra partir de là. Eh bien non. J'aurais pensé. C'est nickel. Victory. Allez, on y retourne. À tout de suite. Albatole. Le voilà. Très bien. Ok. Alors, donc Orochimaru, d'accord, ok. On va attendre qu'il lance une auto. On va pouvoir lancer notre ulti Itachi. On sera très très bien. Il lance beaucoup d'ulti. Heureusement pour lui que j'ai pas de Naruto. Très bien. Ok, parfait. Nickel. On enclenche les poursuites du plaisir, bien sûr. Oh, c'est comme quelque chose de violent, quoi. Victoire, 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 victoire. Et bah parfait, 5 victoires sur le compte de Sion. Sur mon compte, j'ai eu quoi? J'ai eu 3 ou 4 victoires. En vrai, plutôt correct. Hein. Moi, je crois que j'ai eu plus de la moyenne sur mon compte. Donc, nickel, let's go. C'est parfait. J'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt.